Eh bien justement, nous pouvons être dans la conscience « je suis » et observer depuis le point de vue terrestre, qui est le nôtre, ici, la présence divine en nous, avec la conscience qui est la nôtre aujourd'hui, nous pouvons observer la présence je suis en nous, sentir dans le corps la substance divine qui nous compose. Il s'agit pour cela d'offrir notre conscience à notre corps ici et maintenant. De prendre quelques secondes pour porter notre attention à toutes les parties de notre corps. Et dans cette attention, nous pouvons offrir la conscience de la divinité qui est, la reconnaissance de la divinité au cours de l'observation de notre corps fait vivre la divinité. C'est parce que nous sommes les témoins de l'esprit dans le corps que l'esprit vit. Tant que les humains sur la terre nient la présence de l'esprit dans le corps reste matière, assujetti aux lois de la nature. Mais dès lors que nous, conscients de notre nature divine, nous observons notre corps en sachant que l'esprit le compose, alors nous faisons vivre l'esprit. Et cela est la raison de notre incarnation. Cela est le projet avec lequel nous sommes présents sur la terre. Reconnaître l'esprit qui est dans toute la création, y compris dans les créatures humaines. Aujourd'hui, ensemble, ici, nous pouvons nous acquitter de cette mission. Honorer cette mission qui consiste à reconnaître l'information divine dans chaque atome de notre corps, dans chaque atome de la matière. Il est possible que nos apprentissages humains interfèrent au cours de cette observation, de cette offrande de notre conscience au divin présent dans tout ce qui est. S'il y a interférence de notre pensée, de notre culture, de nos croyances anciennes, laissons faire, ne luttons pas. Laissons cohabiter l'évidence de la divinité en nous et la croyance que nous en avons été séparés. Et permettons alors à ces croyances humaines d'être aimantées par l'évidence de notre divinité. Laissons faire. Posons simplement l'intention que la croyance illusoire d'une matière dépourvue d'esprit rejoigne l'amour infini de l'esprit.
Le processus peut se faire en nous, à l'intérieur de nous. C'est ainsi que notre liquide intracellulaire devient transparent. C'est ainsi que notre personnalité est soulagée des poids anciens et rejoint « Je suis ». Sans qu'il ne soit nécessaire de fournir un effort, de renoncer, de se résigner, il est proposé d'être le témoin de l'évidence du divin en nous, en chacun. Je suis le Christ, conscience solaire. Vous me faites vivre. Vous me permettez d'apparaître dans votre assemblée, de venir sur la terre parmi les humains. Certes, vous le savez, je suis omniprésent dans l'atmosphère de la terre. Je suis présent au centre du système solaire par la conscience de l'astre qui vous éclaire. Mais pour que je sois véritablement agissant au sein de l'humanité, j'ai besoin que quelques humains se reconnaissent dans leur divinité. J'ai besoin que partout à la surface du globe, des groupes se réunissent pour stimuler la conscience de la divine présence dans le corps. J'ai besoin que l'amour, principe créateur, soit reconnu dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa capacité à résoudre les tensions entre les polarités, dans sa capacité à rapprocher ce qui est exprimé en deux pôles qui semble s'opposer. Au centre de la croix, on me reconnaît, car lorsque l'information que je suis fut manifestée par Jésus, votre frère, c'est par la crucifixion et le sens contenu dans cette pratique, dans cette condamnation, que j'ai été reconnue par le croisement de l'axe vertical et de l'axe horizontal. Cela a occasionné la mort de l'identité humaine comme seule réalité de Jésus. Cette mort de l'identité humaine a permis à celui
qui fut ce que je suis, de réapparaître dans son corps de lumière, tout en se faisant reconnaître de ceux qui l'avaient côtoyé. Aujourd'hui, vous me connaissez sans que je n'aie besoin de prendre forme devant vous. Aujourd'hui, c'est à l'intérieur de vous que je peux apparaître, non point dans un corps, y compris un corps de lumière. Je peux apparaître en vous par la puissance qui se met en évidence dans votre chair. Vous pouvez, si vous le désirez en cet instant, faire l'expérience du Christ vivant dans votre chair. Il suffit pour cela que de la même manière que Jésus a perdu l'identité humaine qu'il eut, vous aussi, vous mettiez momentanément de côté les rôles humains, les visages humains qui vous ont été nécessaires pour vivre sur la terre. Je vous invite en cet instant à être la conscience solaire, Christ incarné sur la terre. Cela est à votre portée. Dès lors que vous acceptez de laisser momentanément de côté votre histoire personnelle, familiale, sociale, et que vous vous reconnaissez dans l'essence divine qui est votre véritable substance d'origine. Avec votre volonté humaine, vous ne sauriez faire cette expérience. Elle n'est réalisable ici et maintenant qu'en étant dans l'instant présent, sans rien vouloir, sans rien faire, en respirant tout simplement. L'expérience n'a rien d'extraordinaire. Elle est au contraire d'une banalité totale. Elle est intime, perceptible par vous-même. Et je vous convie à en être le témoin fidèle. Christ est vivant par vous et sa vie s'exprime sur la terre par votre intermédiaire. Je vous rends grâce
de la simplicité avec laquelle vous vivez la divine présence du Christ dans votre chair. Je vous rends grâce pour la responsabilité que vous acceptez de prendre avec votre conscience humaine en résonance avec la responsabilité immense que vous avez prise en choisissant de vous incarner là, maintenant. Merci les amis.